Bonjour à tous. Parti pour la quatrième, excusez-moi, partie de Sleeping Dog. Alors du coup oui, j'ai eu un petit problème. J'avais commencé la partie et ma PS3 avait complètement bloqué en fait. Elle avait bloqué et du coup bah arrivé à quoi? Pas la moitié de la mission là, mais arrivé un peu au-dessus. Et ben j'ai dû l'éteindre à la console, j'ai dû la rallumer et j'ai dû refaire toute la partie, la partie 3 que j'ai fait en vidéo, j'ai dû tout me retaper. Donc c'était long, mais là bon bah, du coup j'enchaîne quand même avec la partie 4. Et bon bah là maintenant je vais enfin redécouvrir le DLC, enfin le découvrir, enfin redécouvrir la petite partie là et après découvrir. Donc oui, donc là j'avais vu que j'avais une matraque télescopique. On va un peu dégager la foule. Ah merde, c'est un civil. Ah t'avais qu'à pas être là. Voilà. Donc ce qui est bien c'est qu'avec un matraque télescopique c'est que ça va très vite. Alors lui je croyais que c'était un flic mais non. Donc lui, bon, tu as bien morflé ta race. Voilà, j'espère que t'as bien morflé ta race. Tiens derrière toi gros con. Putain, j'ai jamais vu un flic comme ça hein. Alors, trouver une unité en difficulté. D'accord. Donc attends, ça a pas l'air si compliqué que ça, hein. Il va falloir simplement frapper le monde et puis What? J'ai fait un coup de poing dans l'air comme ça. En mode, je suis content. C'est n'importe quoi. Oh, tu me touches pas, connard. Bim. Ah, je suis chaud là, là je suis chaud là. Là, je vais dégnapper du monde là. Je vous ai dit de pas venir me faire chercher là aujourd'hui. Aujourd'hui je suis motivé. Allez c'est parti. Wouah. Ah. J'ai fait le con là. J'avais oublié que les gros en fait faut pas les empoigner. Les empoigner. Pas les prendre quoi. Ah bah enfin ils sont là eux. Comme ça normalement je me tape qu'un seul gros. Voilà, donc ça c'est fait. Et non, à deux, ils arrivent pas à niquer le gros, quoi. Il faut que Wei Chen arrive, quoi, à chaque fois. Wouah, ce que tu t'es pris dans la gueule! Maintenez l'intersection dégagée. Ok, d'accord. Et ben, je viens de perdre. Comme un con. Là, c'est la honte, mais totale. Mais j'avais pas remarqué, en fait, qu'il fallait... Moi, je pensais qu'il fallait aller au-dessus. Non, je recommence jusque-là! What? Moi je sors la matraque, ça ira beaucoup plus vite hein. Ah, je comprends même pas pourquoi j'avais pu la matraque. Wouah. Ah, les coups qui se prennent dans la gueule. Ah mais... C'est... Tu survis à ça mais qu'est-ce que tu dois avoir mal après. Oh putain, alors toi tu vas prendre cher ta race hein. Hop les Eden. Mais ça déchire ça par contre. Il y a plein de nouveaux coups que j'apprends là. Et que j'explose ça. Ah ça. Mais c'est pas possible quoi. Ah j'adore ce coup là. Ah il est énorme. Ah j'ai plus de matraque. D'accord. D'accord en fait ça l'abîme. Vas-y mais ils m'énervent les gros. Ils sont trop longs les gros, ça qui est chiant. Ah puis ça faut vraiment appuyer rapidement. Eux pour eux appuyer sur triangle et tout c'est appuyer comme un gros malade de style... Limite à péter le bouton quoi. C'est bon il est mort. Allez maintenant, alors maintenez la zone dégage. Ok. Donc en fait faut simplement rester là. Et attendre le monde qui vienne et les frapper. D'accord. D'accord. Ah d'accord. D'accord. Alors. Oh. Tu frappes pas les civils là. Ah bah si, 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 frappe-les. Alors voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Le gars qui finit par terre qui a trop la flemme de le reporter. J'adore. Alors toi, en jaune, tu vas morfler. Je me demande si c'est la fin, tiens, justement, en fait. Alors attends, hop, hop, toi, je t'arrête. T'es en état d'arrestation. Alors toi, par contre, tu fais pas trop le malin, s'il te plaît, merci. Ah, mais c'est quoi, ça? Voilà. Non mais j'ai vu un flic sur la carte, il était en bleu et rouge en même temps, donc à croire que c'était un méchant gentil.
Méchant gentil, ouais. Ouais. Sortez le... Hein? Sortez le gaz lacrymogène? Non! Mais oh là là, c'est magnifique! Oh, oh, oh! Non! Oh! Ah mais la grosse arme que t'en as un coup, quoi! Bon, c'est que des lacrymogènes, hein. faut pas s'exciter non plus, mais... je sais pas trop ce qui... Disperser la zone. Ok. Oh merde. C'est... Rire de merde déjà. Et je pensais pas que ça allait blesser les civils. Ah putain. Ah putain, ils ont des masques. Ils ont prévu le coup, les enculés. Je vois rien, moi. Comment l'arrêter dans son élan, le gars? Ah, franchement, non, mais là, ce moment-là est... C'est tellement choquant, en fait. Enfin, moi, ça me choque, en fait, que... J'imagine ça, en vrai, une grosse foule comme ça. Bon, dans ma ville, ça ferait pas grand-chose, mais... Mais je sais pas, imaginons ça dans Paris, putain, wow. Ce serait tellement un gros bordel. Allez, vers la place. Roger, on our way. Wow, wow. Oh, non. Ah, c'est énorme. Oh, le truc de fou! Oh putain, j'ai eu peur! Oh, le truc qu'on s'attend pas du tout, quoi! Se prendre une bagnole dans la gueule et se faire éclater la tête contre le mur, quoi! Ah, mais cassez-vous là! Cassez-vous, j'ai dit! Voilà, merci! Laissez passer le boss! Le boss de la lacrymogène! Ça, ça me fait plaisir de tirer de ça! Allez, c'est parti! Oh, mais qu'est-ce que t'as à me frapper là? Voilà. Everybody clear the square. Voilà. Comme s'il pouvait se battre avec une arme comme ça, tu sais. C'est quand même abusé. Eh mais j'ai du mal hein. Franchement, quand t'as l'arme dans la main, ça n'a rien à voir parce que t'as trop de mal quoi. Un truc de fou. C'est terminé. Faut maintenir la zone, ok. On peut pas lâcher l'arme. Ah bah voilà, voilà. Putain. Ouais bon, ok, je vais les laisser à eux hein. Parce que eux, c'est des gros flemmards. Ils arrivent pas à gérer 4 personnes. Eux, ils en gèrent qu'une seule, tu vois. C'est des flics qui ont peur. Ou des flics tapettes. C'est pas drôle. Bref, what the fuck, il s'est passé? Hop, il y en a un autre. Ensuite, tiens, il y en a un qui est là. Il y en a un qui arrive là. Tiens, il est là. Allez, viens. Allez, viens, moi je vais t'agresser avec une pancarte, moi. Oh merde. c'est n'importe quoi ce DLC. Tiens! Un pancard dans ta gueule? Ah, tu me feras moins le malin! Moi, comme je prends cher! Ah non, c'est n'importe quoi! Ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est qu'on peut prendre vraiment, mais n'importe quoi! Même coup d'un moment, dans le mode histoire, j'ai pris un poisson, je frappais des gens avec des poissons. Je trouvais ça marrant. C'est la panique. Ok, trouvez les membres de la secte, vous m'entendez? Vous devez les arrêter. Centrale terminée. Ah, est-ce que ce serait la dernière partie du DLC? Là, il y a 3 objectifs d'un coup. Ah, je pense, là, franchement, je pense qu'on a la fin. Pardon. Je pense qu'on a la fin, là, par contre. Wouah! Enfin, bref. Moi, j'ai bien aimé ce moment-là, c'était assez fun. À plein de monde et tout. Et faut tous les vaincre et tout. Putain, il faut que je trouve une voiture. Putain, mais ça, dans ce jeu là, c'est quand on a besoin d'une voiture, on en a pas. Alors quand on a pas besoin, putain. Ah là-bas. Ah, l'air bien en plus. Ne t'avance pas. Ouais, tu peux klaxonner, je m'en bats les couilles. Ouais, si je commence comme ça, ça va pas aller. Quoique. Ouais, vas-y, je vais faire comme ça. En fait, je vais aller beaucoup plus rapidement en fait. Je vais faire comme ça, je vais prendre le taxi et je vais lui demander qu'il m'emmène à une icône. Il y en avait une au bout de la route, mais je vais l'emmener au plus loin. Tiens là.
attaque du parc. On va aller là. Ce sera tellement plus rapide, on perdra pas de temps à faire la route et tout. Et bah au moins on connaîtra plus vite la fin de l'histoire. On va boucler cette affaire. Alors. Bon, tu peux te casser maintenant? Merci. On a besoin de votre aide. Il nous faut du renfort. D'accord. Bah ouais, Shen va arriver, hein. Ok, je suis à la centrale. Soyez prudent. Il a toute une armée avec lui. Oh my god, Warzazat Marrakech. Wouah! Ah, j'ai une arme, j'ai une mitraillette. Oula. J'ai pas l'habitude de gérer les mitraillettes dans le jeu, là, moi. Bon, je trouve que je gère pas mal, hein. Au fait, oui, je trouve que ce jeu-là, il est tellement bien qu'il faudrait que tout le monde se l'achète. Ça sert à rien, ce que je viens de dire. Mais non, franchement, achetez-le si vous le trouvez. Il coûte vraiment pas cher. Le mode histoire, j'ai pas envie de vous le faire parce que déjà, il est long. Et j'ai pas envie de vous spoil. Je préférais vous découvrir l'histoire tout seul. Bon, le DLC, bon, je fais parce que c'est payant à côté et parce que j'en ai envie. L'autre partie, j'ai pas trop envie de la faire, franchement. Hop, là, toi, t'es mort, t'es décédé. Et voilà, en fait, j'ai pas trop... J'ai envie de la faire, le problème, c'est que ça va faire au moins, aller quoi, une trentaine de vidéos, et j'ai pas envie de... Ouais, d'en faire autant, quoi. Hop là. Donc voilà. Mais franchement, achetez-le vous, il coûte pas cher, hein. Si vous le voulez neuf, bon, déjà, je crois que vous allez avoir du mal à le trouver neuf. Mais si vous le voulez neuf, je pense que vous en avez pour aller maximum 30€, mais vraiment maximum. Et si vous voulez d'occasion, même moi, j'ai voulu l'acheter d'occasion celui-là, je l'ai eu pour 10€. Donc 10€, vous pouvez aller, je sais pas, à des magasins style, vous pouvez même trouver Micromania, Cash Converter, Zika, je sais pas, tout plein de magasins comme ça, vous pouvez l'avoir à pas cher du tout. C'est un truc fou. Après, il est en neuf aussi, parce qu'il a été fait en édition essentielle sur PS4, enfin sur PS3, et je sais pas s'il a été fait sur Xbox par contre, donc Il existe sur Xbox ce jeu, ça c'est sûr. Mais je sais pas combien il est, je sais pas s'il est en mode Xbox. Je sais pas comment on appelle ça quand c'est les meilleures ventes de jeux sur Xbox. Sur PS4, enfin sur PS3, on appelle ça essentiel. Et on appelle ça en même temps Platinum. Donc je sais pas trop. Je crois que c'était un truc du genre Silver, non? Je sais pas. Je sais pas, si vous savez, vous pouvez me le dire, hein, ça m'arrange. Putain, je sais plus comment ça s'appelle, ça va me trotter dans la tête pendant un bon moment, ça. Allez, monte ta tête! Voilà, t'es mort! Même pas! Oula, 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 il commence à avoir du monde là. Ça, heureusement, j'arrive à gérer quand même. Ah, franchement, le jeu est pas mal. Même avec les armes, quoi. Pour un jeu où je pensais qu'on allait utiliser que les mains, les poings et tout pour faire la justice, on va dire. Bah non, en fait, non, on a carrément des mitraillettes, en fait. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Enfin, bref. Bon, ouais, c'est parti. On va faire... Ouais, tiens, hop, nickel, un taxi. Putain, c'est génial, quoi. Non, non, non. Connard, va. Par contre, j'adore. Oula. Oh yeah! Wouah! Bon bah finalement j'hésite pas, hein. Quoique. Putain, elle est cassée, fait chier, une chance sur un million qu'elle soit cassée. Et elle l'est, quoi, putain. Tiens, connard, va! J'ai honte de ça! Non mais oh! Ah putain, devant ma bagnole, toi! Tu veux le même truc? Donne ma bagnole! Ah, ça m'énerve. Bon, attends, tu me donnes ma bagnole? Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils ont contre moi aujourd'hui? D'accord, ok. Je vois que vous avez rien contre moi. Donc tu vas sortir de ta bagnole dès maintenant. Dès maintenant. Et tu vas me laisser partir. Merci. Hop là, on va faire demi-tour. Oula, 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 oula. Ça va être assez dur à gérer cette voiture-là, mais elle est bien. Au moins, elle est rapide, hein, c'est ce qu'il me fallait. Parce que là... Bonjour. Parce que là, franchement... Les taxis veulent pas de moi. Ensuite, t'as un piéton qui me pousse.
Je le tue, ce qui est normal, hein, dans la vraie vie, on fait tout ça. Tu vas pousser? Ouais, je vais te frapper. Et je vais te tuer. Voilà, je vais te buter. Et ta mère va pas te reconnaître, vu que tu seras aplati par terre par un camion. Bref, le délire pas trop loin, là, le délire pas trop loin. Alerte. Bon, cassez-vous, les radios de merde qu'il y a dedans, par contre, putain, ça a abusé. La meuf qui a cru que j'allais l'écraser, elle a sauté direct, quoi. Ah non, mais quelle conne. Alors maintenant, ils ont du gaz neuro... soyez prudents, ils ont du gaz neurotoxique à l'arrière. D'accord. Donc faut que je fasse quoi là? Suivez le fourgon de la secte. Moi, pour l'instant, c'est pas moi qui conduis, donc j'ai pas besoin de... battez les membres de la secte. D'accord. Ouais, mais voilà. Voilà, c'est ça que je cherche. Wouah. Ah, tu peux pas test. Vise là. Ah, c'est chaud à viser, hein, surtout qu'ils sont vachement loin. Et là. Ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Oh, mais ma moto, c'est génial. Dites-vous, je me rappelle même plus qu'il y avait ça. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Sleeping Dog et le mode histoire, j'ai même limite du mal à m'en rappeler. Voilà, ça c'est fait. Bon, le fourgon est toujours devant. Voilà, ça c'est fait. Ça fait économiser des balles en plus, c'est bien. Eh, c'est trop bien en fait, je kiffe. Je sais pas s'il y a ça dans GTA, je me rappelle plus. Oh, putain, j'ai des trous mémoire aujourd'hui. Ouais, elle a explosé direct celle-là. Ah, je suis paumé là. Ah, il y en a là. Et là. En fait, faut tirer un tout petit peu à côté pour tirer sur les pneus, voilà, comme là. Voilà, sur le sol. Tirer juste à côté. Voilà. Mais ça déchire en fait. Je suis content, je viens d'apprendre un truc dans le jeu. Voilà, 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 voilà. Toi tu prends trop d'aise, hein, tu dégages. Wouah, lui de là-bas, quoi, j'ai eu. Le gars qui se fait écraser. Par ses pattes en plus, oh la honte. Voilà. Voilà, comme ça c'est fait. Eh mais c'est easy en fait. Easy, easy, easy. C'est tranquille, sérieux, c'est tranquille. Y'a plus personne. Bon bah je peux me rester là. Y'a quelqu'un sur la map mais je vois pas. Ah bah il est là. Enfin, il était là, voilà. Au revoir. Ah, y'en a un autre. Quoi? Ah toi tu vas exploser vite fait parce que toi tu vas m'exploser la gueule toi. Ah bah c'est bien. On est arrivé. C'est bon, on a réussi. Donc qu'est-ce que... pourquoi on a suivi ce fourgon là? Eh, ce n'est pas leur maître là-dedans, c'est leur chef. Merde, on l'a laissé filer. Eh, merde! Je m'occupe du fourgon, on a sûrement besoin de vous ailleurs. Effectivement. Bon bah, je peux récupérer cette voiture magnifique. Putain, si seulement les flics ils avaient ces bagnoles-là. Je pense qu'ils ont ça, mais aux États-Unis, mais... mais là, mais tout le monde veut devenir flic, quoi, c'est pas possible. Alors une voiture comme ça, où tu peux rouler à la vitesse que tu veux, tranquille. Putain, je kiffe celle-là. En plus, elle roule vite, elle est belle physiquement. Elle est discrète. C'est pas, tu vois, une genre de bagnole ou qui a écrit police dessus, tu vois. Lol. Bref. Faut que j'aille tout là-bas. Quoi? Attends, mais non, 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 faut que j'aille où là? Faut que j'aille où? What? What? Quoi? Je dois aller jusque là? Ok, bah je vais trouver un taxi, hein, ça ira plus vite. Pas un taxi par là? Nickel! Oh putain, j'ai de la chance aujourd'hui. Bonjour! Ah, je fais celle-là, comme mission, et après, je vais arrêter. Et je pense que la prochaine vidéo que je ferai sur Sleeping Dog sera le dernier DLC. Donc, et j'espère, parce que. Enfin, pas le dernier DLC. Oula, oula, oula. J'ai fumé quoi aujourd'hui?
Enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est que ce sera la dernière partie du DLC, voilà. J'ai oublié un mot, oh, on va pas en faire toute une histoire. Alors, allez vers le quai de... What the fuck? Le quai d'Appledin. Hop, allez. Oh, ils sont complètement ratés, quoi. Ok, je suis à Appledin, il se passe quoi? On a besoin d'une unité spéciale, nous faisons face à des suspects lourdement armés. Oh, nous sommes contre des rocos, Sifredi. Alors, c'est parti. Blague de merde. C'est parti. Alors là, là, je crois que ça va être long. Et je crois que ça va être vachement dur. Et là... Hop là. On cherche pas White Chain. Bah... passe. Voilà, c'est ça que je voulais. Comme on se déchire. Nanana. Bon, il va falloir que je leur déchique le trou du fion. Voilà. Ah, mais en fait, c'est easy quoi. Il y a presque personne quoi. Qui sont ces types? Ok, le gars qui prend des raccourcis quoi. Non, non, ne me suivez pas les gars. Hein. Je vais simplement dans l'eau, un petit coup. Pour aller rejoindre de l'autre côté. Voilà. On va passer par là, hein, c'est tellement plus rapide. Voilà. Ils sont où? J'en vois aucun. Ah, ils sont dans le bateau. Bateau. Ah, voilà. Oh. Ah oui, je me rappelle plus que si on faisait ça. Ah oui, d'accord. D'accord, en fait, quand on saute sur une un obstacle comme ça, qu'on vise, ça fait au ralenti. Et du coup, bah, on peut leur niquer leur race encore plus facilement. C'est bien ça. J'ai pas fait exprès, mais je m'en rappelais plus du tout. Et ça, c'est stylish. Allez, ils sont où là? J'ai pas que ça à foutre. Je dois aller de l'autre côté là. Méga fail. Oula, 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 oula. J'ai pas. Ah, je vais mourir. Ah, non, non, monte, monte. Tu peux pas, tu peux pas. Merde, faut que j'aille là-bas, faut que j'aille là-bas. Attends, attends, c'est toi, attends, attends. Là, il vient de me dire, on va te finir en M. J'ai dit, ah non, j'aime pas trop. Mais en chinois. Ou en vietnamien. Ou en vietnamien chinois. Et merde, faut que j'arrête un peu, là. Il faut que je me concentre. Voilà. Hop, là, viens ici, toi, maintenant. T'es là, hop, et d'un. Maintenant, il est où le deuxième? Putain, j'ai pas vu qu'il y avait une putain de rebord. Ah, c'est chiant. Allez, il est où? Bah... Je suis con. Ah putain, t'es... Mais il est mal mis sur la carte, ça. Voilà. Le gars qui reste bien devant. Voilà, merci. Ces mecs sont tarés. En fait, je vais pas passer par l'eau parce que j'ai l'impression que ça me ralentit en fait. J'ai l'impression que je fais de la merde aussi quand je vais dans l'eau. Donc je vais passer par là. On va passer par là. Par là. Voilà, je vais aller en plein milieu de la route. Allez, c'est parti. Enfin, du pont. Par contre, je me demande après si je vais devoir affronter le boss final. Ou alors s'il va s'échapper. Normalement, je le tue. Moi, je vois, je le tue. Je fais pas de pitié. Mais bon, oula. Après, je comprends même pas pourquoi j'ai pas arrêté le chef. Quand on a poursuivi le fourgon. C'est quand même con, hein, à ces moments-là. Alors. Oh putain! Mais non! Ouah, mais comme ça va me gonfler! Le gars qui est juste en train de rager parce que ça m'énerve trop. Voilà, enfin j'y suis. Allez. Ouah, mais c'est trop chiant. Ça par contre c'est une mission vraiment chiante parce que parce qu'il y a tellement de passages et tout. C'est pourri en fait, c'est complètement pourri hein. Ah, j'aime bien le système d'avoir une arme, de tirer et tout. Mais alors putain, qu'est-ce que c'est con de... Oula, en plus il nous tire dessus tu vois, alors qu'on est même pas arrivé là-bas.
Clairement. Bon bah, c'est parti. Alors toi tu fais pas long feu, toi non plus, toi non plus. On va se mettre là, hein. Voilà. Toi là-bas. Attends, t'en as un qui est là. Ouais, ça cache toi. T'es sérieux? Non mais attends, eh, c'est pas comme si c'était des barricades où ça passait pas à travers. Là, il y a des gros trous. Tu veux pas me dire que ça passe pas? Cette phrase est complètement perverse. Bref. Qu'est-ce qu'ils sont fous, ces clowns? Oh yeah. Enfin fini cette mission de Casburn. Voilà. Retournez-vous au QG mobile. Bon. Bon allez, je vous laisse les gens. Bon bah on va faire une vidéo. Enfin je vais faire une vidéo sur la cinquième partie. Peut-être plus tard parce que là ça commence vraiment à... Enfin cette mission là m'a complètement gonflé donc voilà. Mais bon je vais faire quand même la cinquième partie dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.